Parce que moi, dans mon point de vue, je ne vois pas pourquoi les jeunes doivent partir. Apparemment, on ne les a pas bien briefés. Mais s'ils savent quand même ce que l'État prévoit pour eux, s'ils savent le dispositif de l'ADR, prêt, prompt, je dois dire, à les accompagner, je pense qu'ils vont rester pour saisir les opportunités qu'on leur offre. L'ADR a une vocation. C'est une structure, un mécanisme de financement intermédiaire. Nous ciblons les cibles qui n'ont pas de, au risque de me répéter, qui n'ont pas de garantie à donner aux banques. J'étais en atelier, Pape Birim était avec moi et Ablaye Cissé. J'ai reproché au gouverneur central de ne pas mettre en place un système qui prend en charge nos groupes vulnérables. Alors qu'il n'y a que l'ADER, cette structure intermédiaire pour faire du financement inclusif. Or, la femme n'a pas de gage, de garantie à donner à la banque. Le jeune non plus, surtout le jeune de 40 ans. C'est pourquoi nous avons mis en place ce dispositif. Et le ministre de l'Agriculture l'a dit. Il s'est départi d'une partie de son financement pour l'octroyer à l'ADER parce qu'il dit que le dispositif de l'ADER est beaucoup plus léger. Donc, nous avons des cibles que nous devons financer. Maintenant, vous avez raison parce qu'il y a des cas, mais ce n'est pas tout le monde. Des cas qui méritent, par exemple, nous en avons au niveau du tourisme. Nous avons un fonds dédié au financement du tourisme. Mais on sait que, avant de faire les apprentissages nécessaires, de travailler, de mettre en place quelque chose, bon, on peut dépasser les 40 ans. Là, je pense qu'en tant que délégué, et vu cette situation, j'ai pris mes responsabilités pour faire effectivement cette dérogation. Contrairement aux banques qui font 17% et autres, non. Ça, les bénéficiaires que nous avons ne peuvent pas payer ces genres de taux. Donc, moi, ça me fait très mal que les produits nous viennent des régions environnantes. Sincèrement, ce n'est pas normal. Nous avons la terre, nous avons la pluie, nous avons l'accompagnement. Donc, il est hors de question maintenant. Et une des vocations de l'ADER aussi, c'est d'accompagner les pouvoirs publics, d'essayer d'atteindre ensemble avec les pouvoirs publics les objectifs définis. Or, les nouvelles autorités, avec leur approche souverainiste, insistent beaucoup sur la souveraineté alimentaire. C'est pourquoi j'ai demandé tout à l'heure à M. le préfet de transmettre au gouverneur nos doléances, particulièrement de demander aux élus de mettre à notre disposition des terres pour que les femmes cultivent, pour que les jeunes cultivent. J'ai fait, Monsieur le préfet, convention, il y a donné, surtout affaire de formation, projet bien accompagné, avec le programme BS, il a demandé 12 000 jeunes. 12 000 jeunes, non seulement ils ont fait gratuitement cette formation, mais ils ont fait gratuitement des ordinateurs. Et je pense qu'avec les antennes, ils ont fait des choses. Donc, nous avons fait des gourgoules, des sourcing pour porter des projets.